Le fluor et ses composés ont et auront encore des applications de grande importance dans de nombreux domaines, comme vont l'illustrer des chercheurs œuvrant dans des laboratoires tant publics que privés. Tout récemment s'est tenu à l'Université Pierre et Marie Curie, ici à Paris, un séminaire du groupement scientifique Réseau du fluor français, un séminaire sur le fluor, dont le thème était la synthèse et réactivité en milieu fluoré. Pourquoi un tel séminaire? Pourquoi le réseau fluor? Eh bien, il y a une dizaine d'années, le CNRS, en la personne du directeur de la chimie Jean-Claude Bernier, m'a posé la question d'organiser et de structurer les divers groupes travaillant en France sur le fluor, mais dans une très grande variété, les propriétés étudiées allant de matériaux inorganiques, pour les batteries lithium, voire pour l'énergie nucléaire, jusqu'à la synthèse de molécules anticancéreuses, antimalaria, allant également la réalisation de polymères fluorés pour l'environnement, pour la protection des monuments et des sites, également pour tout l'aspect nouveaux matériaux pour l'électronique, pour le photovoltaïque, donc une grande gamme de propriétés et d'applications. Et donc c'est comme ça qu'est né le réseau du fluor, qui regroupe tous les centres travaillant en France sur le fluor. Dans le cadre du réseau français du fluor, nous avons voulu participer à la commémoration à la fois de l'isolement du fluor en 1986 par un grand symposium qui a eu lieu à Paris, et plus récemment, en 2006, c'était le centenaire du prix Nobel de Moissan, par la réalisation, dans le cadre de la Société française de chimie, d'un numéro spécial de l'actualité chimique qui était tout lié aux découvertes de Moissan, que ce soit au niveau du fluor ou des hautes températures. Le SHFJ, le service hospitalier Frédéric Joliot, est un centre pionnier. Il a été construit dans la fin des années 50 parce qu'un certain nombre de gens avaient à juste titre pensé qu'on pouvait explorer de façon atromatique, à l'aide de radioéléments, l'intérieur du corps humain. Le principe de la tomographie par émission de positons, c'est de détecter de façon atromatique, in vivo, le suivi d'une molécule marquée au préalable par un isotope émetteur de positons à vie brève. Il en existe plusieurs, le carbone 11, mais aussi le fluor 18. Donc le fluor 18, c'est un isotope très proche du fluor 19 qu'a connu M. Moissan. Moissan n'a pas pu connaître le fluor 18, c'est un élément artificiel qui est produit par l'homme, aujourd'hui par des cyclotrons biomédicaux, et ceci par des réactions de transmutation nucléaire. Qu'est-ce qui différencie le fluor 18 du fluor 19? Simplement la présence d'un neutron supplémentaire qui rend cet atome instable et donc radioactif. Le fluor qu'a connu Moissan était un fluor stable. Quel est le principe de la tomographie par émission de positons et comment détecte-t-on les positons? En fait, une caméra TEP ne détecte pas des positons. Elle va détecter l'annihilation du positon émis avec un électron qui conduira à l'émission de deux photons gamma, 511 kiloélectronvolts chacun, qui seront émis à 180 degrés l'un de l'autre. Ce sont ces deux photons gamma qui vont pouvoir sortir du corps humain et pouvoir être détectés par les couronnes de détection des tomographes par émission de positons. Les molécules marquées au fluor 18 sont des molécules qu'on administre généralement par voie intraveineuse. Ces molécules vont circuler dans le sang et vont venir se fixer sur des récepteurs, sur des organes particuliers, afin d'avoir une application diagnostique. Donc, le fluor 18 a une période radioactive de 109,8 minutes. La grande difficulté pour un chimiste va donc être capable de l'incorporer dans une structure chimique avec cette contrainte de temps non négligeable. Et pour ce faire, et afin de respecter les normes de radioprotection, la plupart des synthèses radioactives vont se faire dans des environnements confinés, ventilés, blindés, souvent des cellules avec des épaisseurs de plomb variant de 5 à 10 cm, équipés d'automates de radiosynthèse, c'est-à-dire des petits modules automatisés, contrôlés par un opérateur à l'extérieur de la cellule blindée,
dans laquelle la synthèse va pouvoir s'effectuer. Alors pourquoi quelque part on peut considérer que la radiochimie du fluor 18, un élément radioactif pourtant, est dans la continuité des travaux de Moisson? Tout simplement parce que le fluor 18, comme je vous l'ai dit, n'est qu'un isotope radioactif du fluor 19 et que le fluor 19, on le trouve aujourd'hui dans un grand nombre de composés, des aliments, mais surtout des médicaments. Je vais donc vous parler de mes travaux et des travaux de mon groupe, qu'on peut résumer un petit peu au travers de ce qui est paru dans cet article de revue dans le journal of Fluorine Chemistry en 2011, à savoir des matériaux fluorés pour la photonique qui vont des monocristaux au verre en passant par les vitrocéramiques et les céramiques. Si on veut s'attarder un petit peu sur les verres fluorés, leur domaine d'application principal est autour des différentes fonctions qu'on peut trouver en télécommunication optique. Initialement, les fibres optiques fluorées ont été utilisées dans les amplificateurs dopés avec des terres rares, en particulier l'erbium, pour une émission autour de 1,5 micron. Et aujourd'hui, nous sommes un peu plus tournés vers les céramiques pour des applications très futuristes, puisqu'il s'agit de lasers de très forte puissance moyenne pour la fusion thermonucléaire et en particulier pour l'après-laser mégajoule, qui est une grande opération française. Et maintenant, on se place dans une dimension plus européenne et avec des matériaux capables d'amplifier la lumière très fortement, mais avec des propriétés thermomécaniques très supérieures aux dispositifs existants. Si on regarde ce qui se passe du côté du laser mégajoule aujourd'hui, l'amplification optique se fait au travers de grandes plaques de verre, et on sait tous que les verres ont des propriétés thermiques relativement modestes, on dira une conductivité thermique limitée, et les céramiques sont un moyen de produire réellement une rupture technologique de nature à monter très fortement en cadence ces lasers. Aujourd'hui, le laser mégajoule vise une impulsion toutes les quelques heures. Si on veut obtenir une fusion nucléaire entretenue par un laser, il faudrait monter à 10 Hz. De calcium dopé à l'ytterbium sera sans doute le matériau de ces lasers de très forte puissance moyenne, en tout cas pour l'amplification de ces lasers, d'ici 10, 15, 20 ans, quand les grands projets européens tels que Hyper verront le jour. Donc les fluorures, en dépit pour certains de l'ancienneté, comme je vous l'ai déjà dit, de leur découverte, ont un côté très actuel et en font un sujet aujourd'hui de pointe dans le domaine des applications en photonique, matériaux pour la photonique, que nous développons au sein du laboratoire. Le fluor chez Arkema concerne les gaz fluorés et les polymères fluorés, applications pour lesquelles Arkema détient des positions de leader mondial. Les gaz fluorés trouvent des applications dans les réfrigérants, dans les agents de gonflant de mousse, dans les aérosols, dans les solvants, mais également comme intermédiaire de chimie fine, tandis que les polymères fluorés sont utilisés comme revêtement de câblerie électrique, de génie pour le génie chimique, de surface métallique, de façon générale, pour tout milieu agressif. Le fluor et Arkema ont une longue histoire commune, notamment sur le site de Pierre Bénite, sur lequel nous nous trouvons, ce qui nous a permis de développer des procédures de sécurité extrêmement rigoureuses et efficaces, tant à l'échelle du laboratoire que sur les unités de fabrication. Le fluor chez Arkema est intrinsèquement lié à une problématique environnementale. Citons par exemple le marché des réfrigérants, qui a connu de nombreuses réglementations qui ont conduit à l'interdiction des CFC, ces gaz destructeurs de la couche d'ozone. Et pour les perfluorés fluorés, ces polymères rentrent dans l'application de nombreuses écotechnologies, comme par exemple des matériaux pour batteries ou des revêtements pour les panneaux photovoltaïques. Mais le fluor chez Arkema, c'est l'avenir, car nous développons dans nos centres de recherche de nombreuses et nouvelles applications. Citons par exemple une nouvelle génération de gaz fluorés qui non seulement ne détruiront pas la couche d'ozone, mais qui ne contribueront plus à l'effet de serre.
Citons également les gaz fluorés pour l'électronique, dont les applications concernent les ordinateurs, par exemple. Et enfin, des nouveaux procédés de séparation, comme les membranes. Il nous aurait aussi fallu parler de l'équipe SOFT de l'Institut Charles Sardron à Strasbourg, qui focalise ses recherches sur la conception, la fabrication, la caractérisation et l'évaluation de systèmes dispersés moléculaires auto-assemblés fluorés fonctionnels, synthétise sur mesure les composants hautement fluorés nécessaires à l'élaboration de ces matériaux et exploite les propriétés spécifiques, superhydrophobie, lipophobie, rigidité, propriétés de surface, etc., induites par les chaînes fluorées. Tout comme du groupe chimique Solvay, qui fêtera ses 150 ans en 2013, très présent en France aussi bien dans les polymères fluorés que dans les réfrigérants et les dérivés fluorés aliphatiques, et créateur d'un nouveau concept de mini-usine comportant quelques cellules d'électrolyse d'HF anhydre suivies par des modules de purification pour produire du fluor gazeux chez ses clients, qu'il a mis en œuvre avec son partenaire Air Liquide dans une co-entreprise baptisée Fidelio Chem et de bien d'autres encore. Une place à part doit être faite à Henri Moissan et le fluor en ce qui concerne l'industrie nucléaire. Rappelons à titre préliminaire que Moissan, grâce à un procédé de laboratoire de son invention, put fournir une petite quantité d'uranium purifié à Henri Becquerel, ce qui permit à celui-ci de découvrir la radioactivité naturelle. Marie Curie, qui compta Moissan parmi les membres de son jury de thèse, en bénéficia tout autant avant sa découverte du radium. Alors, toutes ces activités de diversification, pour des raisons de ressources nécessaires pour construire de nouvelles usines et les exploiter, qui sont en cours de réalisation, ce qu'on appelle le projet Comurex 2, nous avons arrêté nos procédés de diversification. Mais à côté, nous avons toujours eu le produit majoritaire, l'hexafluorure d'uranium, UF6, que nous continuons à fabriquer et pour lequel c'est un produit essentiel pour le cycle du nucléaire. Alors il est essentiel sur Tricastem puisqu'il fait intervenir la préparation du fluor par électrolyse, le fluor servant à fabriquer l'UF6 par réaction avec l'UF4 que nous fabriquons dans notre usine de Narbonne. Cet UF6 est ensuite indispensable pour l'enrichissement. Et une fois qu'on a enrichi, effectivement, on va avoir de l'UF6 enrichi, mais également de l'UF6 appauvri. Cet UF6 appauvri, nous nous en chargeons également au Tricastin. Nous avons un procédé tout à fait unique que nous vendons d'ailleurs à l'export, et qui est la défluoration, où nous transformons l'UF6 appauvri en oxyde d'uranium et en acide fluorhydrique en solution, qui est écoulé sur le marché pour la chimie et afin de refaire de l'acide fluorhydrique anhydre. Il ne faut pas oublier que l'UF6 enrichi continue sa route puisqu'il est essentiel pour fabriquer le combustible, la poudre du O2 qui va servir à faire les combustibles qui vont ensuite pouvoir alimenter les centrales lorsqu'ils auront été assemblés.